Et action! Nous nous trouvons au Maroc, plus précisément à Rabat. Nous nous tenons sur la terrasse de l'atelier de Marilyn Botero, céramiste. Le lieu se trouve à proximité d'une falaise d'argile où les potiers puisent leurs matières premières qu'ils travaillent ensuite dans leurs ateliers situés dans le village des potiers d'Ouljan. Rejoignons Marilyn. Je me destinais en fait à enseigner l'italien et je suis arrivée au Maroc par le travail de mon mari. Et comme j'ai toujours aimé dessiner, créer, imaginer, et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir le réaliser au Maroc. Et donc j'ai ouvert mon propre atelier et en fait j'ai eu un super contact entre moi et l'argile, c'est devenu une passion. Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes de la fabrication d'une pièce? Oui, donc on réalise une pièce sur le tour. Une fois qu'elle est terminée, donc on la joue avec un petit couteau, on dessine. Et avec ce petit couteau, on fait les azorages, on dessine la porte, on la joue. Ensuite, notre pièce donc, va passer au four en première cuisson. Donc à la sortie de la pièce du four, voilà, elle se représente comme ça. Donc on appelle ça biscuit, c'est-à-dire première cuisson. Ensuite vient la deuxième étape, la pose des émaux. Voilà, avec un petit pinceau, on pose les émaux et ça repart au four pour la deuxième cuisson. Et ensuite, la pièce est donnée aux décorateurs qui vont ajouter de la dorure, du cerne, etc. Le métier de céramique, oui, il demande une dizaine d'années pour commencer à maîtriser. Ensuite, il faut maîtriser ses émaux, maîtriser son four. Et on vient à tout ça par le biais des formations. Donc, j'ai fait énormément de formations au CNIFOP. Ensuite, je suis allée auprès de nombreux artistes que j'avais préalablement sélectionnés. Donc on apprend chaque jour en céramique. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.